tous, c'est Olivia de The Flash Dog. Et aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gâteau d'anniversaire pour chien. C'est l'anniversaire de Aiko. Donc j'ai voulu marquer le coup en faisant un gâteau pour chien et en invitant ses copains. Autant vous partager la recette aussi pour que vous puissiez le faire de chez vous. Alors c'est parti. Alors pour réaliser ce gâteau, tu auras besoin de 100 g de flocons d'avoine, 100 g de farine fermentante, 125 g d'emmental râpé, 75 ml d'huile d'olive, 3 œufs et 150 ml de lait sans lactose. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aussi faire un nappage que je mettrai vraiment pour décorer le gâteau. Moi je trouve ça sympa de le faire, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Alors on va commencer par mélanger la farine et les flocons d'avoine ensemble. Voilà. Ensuite on va verser les 150 ml de lait sans lactose. Mélange directement en grattant bien les bords. Ensuite on va ajouter l'huile d'olive. Alors on a besoin de 75 ml. Alors c'est parti, on la rajoute. Et on mélange rapidement. Ensuite on ajoute les 3 œufs. On se commence bien. Et le troisième. Et on mélange tout ça. Maintenant on va ajouter l'emmental râpé. Et voilà, la pâte est terminée. On va donc prendre un moule et le graisser avec un peu d'huile d'olive. Et maintenant, on va verser la préparation dans le moule. Lisser la pâte. Hop là, voilà, c'est un beau gâteau ça. Pendant toute la préparation, j'avais préchauffé le four à 180 degrés. Maintenant qu'il est prêt, on va pouvoir enfourner le gâteau. Hop. Voilà, et maintenant on attend 50 minutes. En attendant, on va faire de la place pour le glaçage. Donc voilà le matériel pour le glaçage. On va le faire avec une sorte de fromage blanc, un peu comme de la Philadelphia. J'ai ensuite pris des petits pots de mousse au cassis. Comme ça, on a vraiment la couleur bien rouge pour... on va essayer d'écrire Aiko sur le gâteau. Pour étaler le glaçage, j'ai acheté des petites raclettes. Et on va aussi essayer de faire de belles petites décorations avec la poche à douille. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc j'espère que ça va aller. Et bien sûr, on a pris des petites bougies pour ces 10 ans. Hop, alors le gâteau est prêt. On va le sortir du four. Il faut donc bien attendre qu'il refroidisse avant de commencer le nappage. Voilà à quoi ressemble notre gâteau. Franchement, il est trop beau. Je suis très contente parce que d'habitude, dès que je fais une recette, je rate tout. Là, pour une fois, c'est réussi. Est-ce que tu peux venir m'aider pour le lavage? Je peux essayer. Alors. Il est venu avec moi, donc. Tu donnes envie de manger le gâteau? Non. Si. Franchement, ça sent bien. Non, en vrai, il y a rien de négatif. Du coup, on va le retourner, ce sera plus facile pour faire le glaçage là autour. Bon, je vais d'abord le mélanger un petit peu pour que ça ne soit pas trop dur pour l'étaler. Pour l'appliquer sur le gâteau. Hop. Alors, c'est parti. Hein. J'espère que j'en ai pas mis trop. Heureusement que j'ai pris deux pots parce que je sens que j'aurai besoin de deux pots. Bien pété. Mais déjà il bouge sur le truc, c'est hyper dangereux, il va se retourner. Attends, je vais... À tout moment, on n'est pas à la rue qui se retourne. Donc moi, je le tiens à te filmer. Vas-y. Et les bords, ça va être dur à faire, non? Oui. Attends, ouais, attends, j'avais occupé des... C'est joli. Ah, ça commence à bien ressembler à des choses, hein. Je devais faire un aussi beau gâteau et c'est le premier, c'est pour mon chien, quoi. Là, j'ai une dizaine de chiens qui vont manger le gâteau, donc je pense que ce sera suffisant niveau quantité. Comment on va faire pour le mettre sur le siège maintenant? Ah non, j'ai peur, on va tout casser. Waouh! Regardez comment il est trop beau! Et là, je vais tenter d'écrire Aiko. Mais alors, franchement, j'ai trop peur de rater. Parce que ben, forcément, ça va se voir avec la couleur. Qu'est-ce que ça donne? Ça va, hein? C'est le début du A. Ah, la grille avec le gâteau noir. Et mon A il est bien fait. Genre. Le A est bien fait. Ouais. Par contre, je sais pas où je vais mettre le reste des lettres. Donc voilà mon A, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu juste pour écrire les autres des lettres. Non, après il y a un moment.
Vas-y. Non, pas doué pour ça. Ceux qui font de la cuisine et qui regardent ma vidéo, ils vont se dire mais je fais vraiment n'importe quoi. Cédric Rollet en suiveur. Et on a quelque chose, hein. Il n'y a plus beaucoup de place pour le haut, mais on va essayer. Allez, on peut y arriver. Et pas mal quand même, hein. Allez, en vrai. Où je fais un petit flash pour ta dog, tu vois. Donc Aiko, il y aura les 10 ans au milieu. Et en dessous, on peut faire un flash. Alors après l'avoir mis un petit peu au congélateur, on va ajouter la décoration. Ok. Allez, prends un chapitre, c'est le best. Et là, c'est trop beau. Ouais, les petites bougies, on les mettra au milieu, du coup, c'est pour ça qu'on a laissé des espaces. L'intérieur, ouais, vas-y. J'espère que ça va pas masquer le... Franchement, c'est trop, trop beau. On va le remettre au frais, histoire que la Philadelphia ne coule pas trop, ne fond pas trop. Comme ça, elle a une bonne prise pour être mangée. Ouais, pour tout à l'heure, à la balade avec les copains. Et voilà le résultat final. Franchement, je suis assez fière. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye.